Munchies. Alors bienvenue, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui on va manger les pâtes et de la crevette. De les pâtes, des pâtes et des crevettes. En fait ma maman elle avait oublié d'appuyer. Oui j'ai oublié d'appuyer, donc on a commencé à parler puis après je me suis dit j'ai oublié d'appuyer. Et comme jus nous avons du matzo goût sour sap, gros sol. Du rien du tout. Du sapoti. C'est bon, tu t'enjailles. C'est bon. Fais pas tomber les crevettes, s'il te plaît. Et je vais commencer par faire les shout-outs, mais d'abord, on va se servir. J'ai renvoyé la caméra parce qu'en fait, il n'y avait aucune sortie pour brancher un micro externe. Donc pour faire les ASMR, c'est un petit peu chiant, quoi. La qualité des vidéos ASMR sur le téléphone, elle est réduite. Donc il fallait vraiment que je trouve un appareil photo qui fasse aussi sortie de micro externe. Donc attendez genre une semaine ou deux et puis on aura une nouvelle caméra normalement. Et j'espère que je vais bien choisir cette fois-ci. Bon appétit! Tu dégustes? Alors, non, je commence pas à déguster, je vais faire les shout-outs. Premier shout-out pour Sarah Book. Book ou Bouquet? D'accord. Chat. Pour le monde de Chachou. Posing for life. Pour Lucie R. Pour Daya Diling. Et bien sûr, je vais vous mettre en bas, juste là, notre chaîne Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, enfin à nous suivre. On va essayer d'être un peu plus présente sur Instagram. C'est vrai qu'on vous a un peu lâché ces derniers temps, donc voilà. Désolée, mais voilà le lien. Et à tous les abonnés que je viens de citer, à tous les shout-outs que je viens de citer, on vous aime tous très fort. Fort ? Comment ça fort ? Bon appétit ! Alors, tu veux que je te mette du fromage ? Oui. Oh, oh, oh ! C'est encore un petit peu chaud, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est bon. Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! En plus, j'ai coupé avec ma langue et mes dents. Tiens, fais A. Première bouchée pour toi. Mignon. C'était comme la dernière fois. On avait déjà mangé. Oui, mais on avait mis de... Mais ça fait longtemps qu'on n'en a plus mangé. On avait mis des champignons la dernière fois dans la vidéo. Oui, mais là, c'est des crevettes. Oui, on avait mis des crevettes et des champignons. Et là, on a juste mis des crevettes. On a mis des crevettes un peu plus grosses aussi. On t'a dit que c'est comme ça qu'on mélange, ma fille? Je fais comme je veux. Cul. Un bout de crevette. C'est bon? C'est assez bon pour toi? Ok. T'as déjà mangé la crevette? Pas encore? T'as de la sauce partout! C'est bon? Tu parles plus, c'est que c'est bon? Ou bien tu t'admires là-bas? Mais je regarde ma petite chenille. Tu regardes ta petite chenille? Oui. Hein? Vous voyez? Mm-hmm. Là-bas, il y a une petite chenille. C'est ma petite chenille que j'avais perdue quand j'étais bébé. Mais pourquoi tu me pousses? Et maman, elle l'a retrouvé. En fait, c'était pas quand t'étais bébé. C'était quand j'avais 3 ans. Il était dans mon lit, dans le coffre de mon lit. Pas dans le coffre, dans le tiroir là. Ouais, bah, c'est dans le coffre. En bas du lit. On ouvre et c'est le coffre. Avec ta petite langue qui sort quand tu manges là. Pourquoi tu transpires?
Eh mais je viens d'apprendre qu'il y aura encore des vacances, les gens, c'est pas possible. Du 6 au 26 avril. Vous voulez quoi en fait là? Il y a tout le temps des vacances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi j'adore les vacances. Nous on peut même pas se reposer quoi. Les parents ils ont pas le temps de se reposer. Vous êtes tout le temps en vacances. Tout le temps. Ça fait du bien les vacances. Mm-hmm. Pas moi. Ah ben moi si. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer tout le matin. Tout le matin. Oui, quand t'es en vacances, tu te réveilles à 6h30, 7h pour regarder les dessins animés. Mais quand c'est l'heure de la semaine pour aller à l'école, tu refuses de te lever. Je peux me lever parce que j'aime pas aller à l'école. Sauvage. Bah tu commences à peine, hein. Là encore, t'as même pas encore commencé. L'école, ça commence à partir du CP. T'es en moyenne section, ma fille. Pourquoi t'aimes pas aller à l'école? On travaille trop là-bas et en plus, je suis fatiguée quand je travaille. Je suis fatiguée quand je travaille là-bas. Ton travail là-bas, c'est quoi? C'est pour apprendre à écrire, ouais. C'est pour apprendre à lire. Ton travail, c'est, tu sais, t'apprends pas encore à lire. Ton travail, c'est colorier, découper, ne pas dépasser quand tu colories, compter jusqu'à 30, connaître l'alphabet ABCD. C'est ça le travail? Oui, mais en plus c'est pour apprendre à écrire, c'est pas juste en plus je suis fatiguée de trop travailler à l'école. Mais tu sais que quand tu travailles à l'école, c'est pour avoir un bon travail après. Avoir un bon travail qui te donne beaucoup d'argent. Tu veux pas avoir beaucoup d'argent, avoir un bon travail? Qui te permet d'acheter tout ce que tu veux comme jeu, comme vêtements, comme chaussures. C'est pour ça qu'on va à l'école, pour apprendre des choses, pour devenir intelligent, pour avoir un bon travail. Merci de ne pas me répondre et merci de me pousser. Elle me pousse hors du cadre, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure. Elle fait que ça. D'ailleurs, je le mets plus vers toi. Tu m'en mets pas plus. Voilà. Toi, t'es pas un peu sauvage, ma fille? Mais j'ai envie d'en avoir beaucoup. Et moi? Je mange plus, moi? C'est gentil de te tendre la main vers la nourriture. Après avoir volé tout ce qui était là devant moi. Ben ça, moi aussi j'en ai en même temps. Hein. C'est bon? Ça poque? Mais non, ça passe, ça passe. Tu veux à chaque fois me pousser hors du crâne, quoi? Tu veux faire la vidéo toute seule? Tu veux que je m'en aille? Bah pourquoi tu me pousses hors du cadre? Regarde maman. Tu trempes ta crevette? Prends de la sauce. Pourquoi tu me pousses hors du cadre? Tu veux faire la vidéo toute seule? Tu veux pas que maman fasse avec toi? Pas avec moi. Bah pourquoi tu me pousses? Petite sauvageonne, va. Arrête maman. Vous avez vu? Elle veut pas que je fasse la vidéo avec elle. Bah alors? Tu m'embêtes comme ça là. Que je t'embête? C'est toi qui m'embêtes? Tu m'empêches de manger? Hein? Sinon je prends mon assiette, je m'en vais, je m'assois de l'autre côté là-bas. Non. Parce que moi aussi j'ai envie de manger. Personne ne t'empêche de manger, hein. Faisais une grosse bouchée, les amis. Pourquoi toi t'en prends plein? Pourquoi t'arrives à en prendre plein dans tes baguettes? C'est pas juste moi, j'arrive pas à en prendre plein dans mes baguettes. Normal, tu croises tes baguettes comme ça. Faut pas les croiser. Quand tu fais comme ça. Voilà, avance ta tête et mange.
À prendre des fourchettes. Tu vas prendre une fourchette si tu veux. Et je voudrais savoir pourquoi tu mets tes déchets là de mon côté. La crevette que t'as déjà bouffée là. T'as fini de baver dessus là. Pourquoi tu la mets là de mon côté? Hein? Tu crois que mon côté c'est de la déchetterie publique ou quoi? Hein? 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 C'est bon. La fille... Non mais vous avez vu comment son bras il est? Son bras il est comme ça depuis tout à l'heure en bas. Elle me laisse même pas m'approcher pour manger. De toute façon il y en a encore de l'autre côté de la cuisine. Hein. T'écartes les jambes, tu mets ton bras et tu dis que c'est moi qui t'empêche de manger. Hein? C'est toi qui m'empêche de manger. J'ai rapproché l'assiette de toi. Mmh, un bon ragoût. Regarde, t'as un bon ragoût là. La crevette elle est plus grosse que ta bouche. Pas vrai. Bon, moi j'ai presque plus faim. Moi j'ai presque plus faim. Hein. Moi j'ai toujours faim. Bah mange. Mange, pète-toi le bide, explose ton ventre jusqu'à ce que tes yeux sortent et que tu aies envie de vomir. Mmh. Encore un effort, maman. Mange. Avec ton petit bout de langue là. Ton petit bout de langue. Moi je vais en laisser pour qu'on va regarder la télé. Ah ton verre il a failli tomber hein. C'est bon. Quoi? Chez. Et en plus il y avait du jus sur toi. Non. T'as fini? T'as fini? Down below and subscribe. See you next time. Bye.